Roland Courbis critique l'arbitrage de ce PSG-là. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur les propos de Laurent Courbis, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si on est parti. Alors, Roland Courbis regrette que le match soit fini à la 20e minute. Parce que lorsque Lens a pris le carton rouge, le match était déjà fini. Le match était déjà fini parce que on voyait mal Lens revenir à 10 contre 11. Du coup, donc, selon Roland Courbis, il n'y a pas carton rouge. Il n'y a pas carton rouge selon lui. Pour lui, c'est un carton jaune-orangé, mais pas rouge. Lorsque on a interviewé le coach de Lens, Franck Hess, pour lui, il y a carton rouge. Si déjà le coach lui-même de l'équipe dit qu'il y a carton rouge, ça signifie qu'il y a carton rouge, les gars. Franck Hess n'a pas démenti, pour lui, il y a carton rouge. Il y a bel et bien carton rouge. Donc, si le coach lui-même dit qu'il y a carton rouge, bah, c'est qu'il y a carton rouge, les gars. Roland Courbis, c'est vrai qu'en tant que fan, même pas fan, en tant que spectateur neutre, nous, on voulait voir un choc, un bon football, avec plein d'émotions, etc. Lorsque tu donnes un carton rouge, ça tue le match, ça plombe le match. Moi, le premier, lorsque Lens a pris le carton rouge, je n'avais plus envie de voir le match, les gars. Le match était déjà comme les remèdes. Lorsque tu es neutre dans cette affaire, tu voudrais que l'arbitre soit un peu indulgent avec Lens, mais sauf que le supporter du PSG, lui, veut le carton rouge. Hein. Lui, veut le carton rouge. Donc, c'est difficile vraiment de se positionner là-dessus, mais si le coach de Lens a dit qu'il y avait carton rouge, c'est qu'il y avait carton rouge, les gars. Le coach lui-même affirme, il ne discute pas, franchement. Et bravo pour sa lucidité, le coach de Lens. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire et si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!